Wadi tout Konakra, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un petit peu différente des autres. Ici, nous sommes juste à côté de chez mes beaux-parents, c'est l'anniversaire de ma femme. Vous avez vu l'an dernier que nous étions allés faire une croisière sur la Chao Phraya. Cette année, elle a souhaité passer son anniversaire en famille. Alors, nous avons pris un resort un petit peu spécial. Donc, avant de vous montrer tout ça, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche des notifications pour les nouvelles vidéos. Allez, je vous montre ça après le générique. Alors, ce resort est un petit peu particulier puisque c'est plutôt un café-restaurant, un dog-hôtel, resort and garden. Et vous pouvez voir, je ne sais pas, vous pouvez voir, il y a une piscine pour les chiens. Allez, on continue la découverte. Alors, il y a des barrières un petit peu partout pour pas que les chiens s'échappent. Nous allons dans la partie resort. La partie jardin. Alors, il y a des bungalows d'à peu près toutes les tailles pour les familles et pour les couples. Dans le bungalow Cupcake Green Tea et nous sommes dans le Vanilla Cupcake. Hop. Non, allez, allez, move. Bonjour, bonjour madame. Comment allez-vous? Aina. Ça va? Ça va. Ça va. Alors, la chambre, grand lit. Aircon. Un autre. Balcon de l'autre côté. Et la salle de bain. Avec de la lumière, c'est mieux. Douche, eau chaude. Toilette. Et petit lavabo. Alors, ça, c'est nous qui l'avons emporté pour protéger les draps. Je vais pas sauter dessus. Hein. C'est très, très ferme. Un peu comme...
Qu'est-ce que tu fais? Il ne veut quoi? Il veut faire dodo papa? Good boy. Re tout le monde. Alors, je suis maintenant au Chunlada Orchid Farm Nakhon Nayok, juste à côté de chez mes beaux-parents, pour vous montrer des superbes orchidées. Alors, le problème, c'est qu'ils viennent de vendre un gros stock et ils replantent. Regardez derrière moi, ils commencent à replanter. Il y a les trois quarts qui ne sont pas en fleurs, qui viennent juste d'être repiqués et replantés. Mais toutes celles, si je vous les montre tout de suite, sont là et sont prêtes à la vente. Alors, cette ferme a son propre magasin et fait de la vente en ligne pour les autres personnes et pour les autres magasins aussi. Voilà. Je vous mettrai, bien sûr, dans la description où c'est et comment venir. Alors, cette ferme d'orchidées est très très connue pour les Thaï, puisqu'ils sont passés plusieurs fois à la télé, dont Thaï PBS, qui est une chaîne d'information. Et vous voyez derrière moi, ici, des bungalows, des homestays. Alors, c'est fermé pour le moment, dû au Covid, ils n'ont pas réouvert, il y a très très peu de touristes. Les bungalows qui sont là coûtent 700 bahts la nuit, ce qui fait à peu près 20 euros, un petit peu plus de 20 euros. Donc je vous montre, il y en a 1, 2, 3... 5 bungalows. Ils m'ont dit il y a l'eau chaude, lit, tout ce qu'il faut, mais par contre pas de repas, il y a la climatisation. Vous voyez derrière les compresseurs.
Voilà. Donc la ferme est très très grosse. Vous pouvez même voir des jackfruits ici. Elle est très très grande, la ferme. Alors les propriétaires me demandent si je vais me mettre dans l'autre sens, avec le soleil qui m'éclaire moi et pas l'objectif. Les propriétaires me demandent si je veux utiliser mon drone. Le problème, c'est que je ne sais pas si vous voyez, vous entendez le vent, mais c'est énorme, ça souffle terriblement et le drone va être trop déporté pour faire ça. Alors, on va essayer de monter en hauteur. Donc je vous montre ça depuis un peu plus haut. Alors si vous habitez Bangkok et que vous voulez venir acheter des fleurs, nous sommes au Klong Sik A, le canal 15, Klong Sik A, qui va en direction de Nakhon Nayok depuis Rangsit. Alors ici, il y a un marché aux fleurs, un marché vraiment tout du long. Sur la route de Nakhon Nayok, vous allez trouver des magasins comme ça si vous avez besoin de fleurir votre appartement ou votre maison dans la région de Bangkok ou tous les alentours. C'est superbe. Il y a à peu près 300 magasins ici. Voilà. Nous sommes arrêtés dans l'un des plus petits, non quand même pas, mais un moyen. Il y a plus grand et il y a plus petit. Mais ici, il y a absolument de tout. J'ai pas vu d'orchidée par contre. Celle que vous avez vue à la ferme, là, il n'y en a pas. C'est trop de travail pour les orchidées. Allez! Caverne d'Ali Baba pour les jardiniers. Oui, Tiger. Ici, pardon. Et je vais vous dire à la prochaine fois. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de cliquer sur le bouton. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et d'activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis au revoir. Bye bye. Sawadee krap.